ouais, là-bas, vous le voyez le mec avec son lance roquette, juste avant d'être ce soin là. Hey. Ah oui, je suis caché. Bonjour. Vous faites quoi là? Je sais pas, j'essaie juste de te tuer parce qu'on est ennemi. Attends, on va sauvegarder parce que je le sens le file. Oui! Il y a un ennemi moins. Ça te plaît? Ça te plaît? Sérieux? Ça suffira! Dans ta gueule! Oh putain, le lance-roquette! Oh, va falloir foutre des steampacks un peu partout là. En plus, c'est un mec avec un petit japon juste devant moi. Oh, merci l'artificier. Ah putain, il faut que... Ah, c'est quoi? C'est ok. D'accord. Alors ça, ça s'appelle un fail. Bon, première cible, l'artificier. Vous voyez là. J'attends peut-être que... Ouais, tu sais. Oh putain, le fusil il a volé. On va retourner tout au fond et on va récupérer une grenade. Je vous mets un défi de faire cette mission en très difficile, sans tricher. Vous faites ça. Attention. La vie est plus simple avec des grenades. Ok, on va repasser en mode silencieux. Ok, là il y en a trois. Ça demande action rapide. Une des actions rapides. Non, viens pas vers moi. C'était quoi ça? Rien, je te jure, c'était rien. Oh non, en plus il a un fusil. D'accord, alors si vous envoyez un avec un fusil comme ça, dès qu'il vous tire dessus, vous êtes mort. Il y a quelqu'un? Mais mon dieu, où était-il depuis... Allez. Ah! Dès qu'il me tire dessus, je suis foutu de toute façon. Il y a quelqu'un? C'est moi.
Putain, en plus, c'est pas comme si c'était une arme de merde, hein. C'était quoi, ça? Ça, vous voyez, ça s'appelle le skill, la discrétion assurée. Hop là, les heures de mission. Voyons voir un peu. Ah oui, c'est bon. Alors, code localisé, position notée au Ludix, présence de ghouls sauvages sur place, localiser, récupérer les codes. Vous êtes libre de la méthode. Ok, donc il y a une histoire de code, on va se rendre sur place. On va juste éviter monsieur Yu Rouge. Bonjour. Allez. Oh putain, mon... Merci le point de sol. Oh putain, c'est bon, je me casse. Putain, je les avais oubliés, eux. Porras ! Oh putain, on est sauvé. Ok, destination, la base des ghouls. Ok, on approche de la base des ghouls d'avant-guerre. Normalement, pour passer, il faut du discours. Bonjour, bonjour. Est-ce que j'ai l'air d'un civil, monsieur? Lieutenant, intendant, je veux bien pour les fournitures. Ou madame, j'aurais dû dire madame aussi. Merci, soldat. Bon, je vais vous donner un truc. Vous tuez un seul des soldats d'avant-guerre, vous avez toute la faction contre vous. Donc là, vous vous dites, et pourquoi les tuer? Vous verrez plus tard. Bon. Première technique. Fouiller pour récupérer l'indispensable. Qui n'est pas là? Qu'est-ce qu'il vous faut? 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 Ah, c'est là-dedans. Bonjour. Cartouche, avec la fusion, c'est toujours plaisir. Le coffre, pour qu'il passe l'argent. Et surtout, la Steel Boy. Je ne me rappelle plus où j'ai mis ce putain de truc. Enfin, la porte. Salut. Hello. Hello. Donc là, vous avez encore du bordel. N'hésitez pas à venir vous servir. J'ai pas croisé... Ouais, c'est pas grave, on s'en fout.
Alors, je dois trouver... non. Normalement, c'est vers le bas. Regardons par là, c'est pas par là. Je ne me rappelle même plus de ce que je fais. Ah voilà. Vous descendez ici. Donc, vous allez comprendre. C'est pas ça. Voilà. À peine vous rentrez, coup de danse. Voilà, ghouls sauvages et soldats hostiles. Ne les tuez pas. Vous en tuez un seul, même si vous ne voyez pas. Hostilité. Le truc, c'est de ne pas se faire voir du tout. Ici. Et le seul moyen, c'est le Steel Boy. Ou alors une putain de discrétion. Bonjour. Parce qu'en plus, ici c'est dur en plus là. Il y en a un bon nombre de ces saloperies là. De sauvages. Et le truc c'est qu'après vous... C'est pas ça. Vous tapez les soldats en armure assistée quand vous sortez. Bonjour. Allez. On est presque. Courage, tiens encore un peu Steel Boy. Il faudrait qu'ils mettent un minuteur sur le Steel Boy, franchement. Sauvé. Voilà. Si vous n'avez tué personne ici, vous êtes tranquille. Ah ben regardez, le royal aussi. Il vous faut. Hein? Juste montrer que vous existiez. Donc si on suit ma logique implacable de l'orientation masculine, je suis pas du bon côté. Bonjour. Yo. C'est la main. Ok, c'est par là. Nous y voilà. Oh, Steel Boy. Regardez, en plus, il n'y avait pas besoin de chercher si long que ça. Voilà. Donc là, il m'attaque. Bon, ben là, le truc, c'est qu'on n'a pas à prendre parti, en fait. La dernière fois c'était la Légion qui avait gagné. Parce que la dernière fois il y en avait la moitié qui était sur lui. Bref, retournons voir le brave Xanteur. Trevor. Trevor Xanteur. Le gentil Xanteur, parce qu'il y en a deux pour ceux qui auraient toujours pas compris. Oh putain des coups de feu. Ça doit être les soldats blancs, c'est vrai. Ils attaquent. Ils doivent pas être trop joyeux de ce qu'on a fait. Bon, on va les repousser parce qu'ils partiront pas tant qu'on les a pas tués en fait. Puis on peut très bien le laisser ici, mais c'est une peu mauvaise idée si tu veux faire ça votre side.
Ok, on va les virer. Ciel. Allez. Lumière dans la nuit. Où a trouvé ça lui? L'artificier s'est chopé une mitraillette. Oh mais merde! C'était un super outil. Ah ça sert, c'est pas bon qu'à ta famille hein. Oh, toi tu fais mal quand tu tires. Mais t'as vu la petite soutien se fuyait. Oh non. Je vais faire ça. Faudra le récupérer ce flingue. Putain, mais il a perdu la tête ou quoi? Ah. Wow, ils ont fait un carnage. Non. Je vais retourner voir Trevor. Yo, Dété, t'es au courant qu'il y a eu la guerre dehors? Bref, j'ai trouvé une sorte de moitié de code. Bien, il faut que j'aille voir ce qui se passe dans la corporation. Donc là, le marqueur de carte qui a été ajouté, c'est... celui-là, entrée cachée. Bon, je pourrais très bien rentrer par l'entrée principale, parce que je suis pas hostile avec la corporation, mais c'est un petit tic, un tips. Si vous avez besoin d'entrer chez la corporation par derrière, entrée cachée, vous esquivez toute la sécurité centrale et le robot de sécurité. Bref, on va falloir partir de là en fait. Bien, je vais vous guider à partir d'ici vers l'entrée secrète. Donc là, nous avons la ville de Xanthropolis. Bon, c'est indiqué sur la carte, c'est caché, il faut juste suivre l'eau. C'est juste à suivre l'eau. Et l'entrée, elle est accessible tout le temps, hein. il n'y a pas besoin de faire la quête pour pouvoir y accéder. Open 24 sur 24. La quête, elle rajoute juste...
Apprenez à parler. Elle rajoute juste quelques ennemis en plus dans la zone. Oula. Donc désolé, un petit crash fait tout exprès pour vous montrer que près de Xantopolis, des fois, ça, c'est pas très stable. Bon bref, la petite flèche, elle montre. Ah. Bon, normalement, si je me trompe pas, on a un bon paquet de bandes noires dans cet endroit. Donc on va pas y aller parce que les bandes noires, on a fait la quête déjà, c'est fini. Et nous, on va s'attarder ici. Bonjour, bonjour, bonjour. Bon, un petit passage pas très difficile, faut juste... devant le radix. Voilà, tu peux laisser l'iBot faire tout le boulot aussi. Voilà, je peux récupérer tes munitions sur les membres du bandeau noir si ça te fait plaisir. Ou laisser les robots tout faire et récupérer les balles. Oui, ils en ont un peu des munitions les membres du bandeau noir. Oh oui, il y en avait plein lui. Trop facile à voir, hein. Quoi que ça. Non, je me disais aussi. Oh merde. Et vous allez voir où on retombe. Si j'y arrive. Voilà. Merci le robot. Et on retombe tout juste. Ici, vous vous rappelez d'ici? Avant c'était fermé. Avec cette magnifique boule. Et son magnifique fusil que tu vois que je butais. Je sais pas si vous vous rappelez d'ici, j'y suis allé avec pour faire une petite, pour vous montrer un objectif secondaire. Et vous allez voir, ça a bien changé. Enfin, ça a bien changé. Ah, c'est juste que avec la quête, ça rajoute ce que vous allez voir. Voilà. Parce qu'en passant par là, on arrive en plein un conflit en fait. Ok, ok. Tiens, il y avait plein d'officiers par là. Ah, il est là. Oui, on va répondre à l'officier. Ça va. On va rester avec eux, hein. Ah ouais, attention, attention. Les gars, attention.
Ou clignoter. Ça te plaît? Il y en a encore. Tu as l'air cul, il est pas mal. Allez! 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 C'est bien, ils enchaînent. Non mais c'est bon, je t'ai déjà parlé. Salut. Ok, il faut aller au silo de missiles nucléaires. Ici. Et c'est pas trop autorisé, mais bon, vu qu'ils sont attaqués, ils vont me laisser y aller un petit moment. Pour le moment, on va pas prendre trop longtemps, donc on va rester ici comme ça, en temps de tranquillité. Ok. On avance. Je récupère juste un truc et je m'en vais, promis. Ça va? Qu'est-ce qu'il vous faut? Rien du tout, je m'en vais. Salut. 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 C'est bon, je m'en vais. Ne vous énervez pas, s'il vous plaît. Laissez-moi le temps. C'est bon, je pars, s'il vous plaît. Laissez-moi le temps de partir. Pitié. Salut. Salut. Voilà, vous voyez, je suis parti tranquille. Je peux dormir dans un nouveau lit si j'en trouve un. Ouais, je croyais que c'était un méchant ça. C'est bon, il n'y en a plus, déjà. Ils sont où vos lits, s'il vous plaît? Laissez-moi dormir dans un nouveau lit. Je t'emprunte ton lit. T'as un mec bien, je me casse. Je me secare. Bon. Allons rendre la quête. C'est bon. Et maintenant? Ok. C'est bon. Attendez, il y a ça, puis ensuite faut calorier. Faut encore récupérer le putain de code, enfin faut désactiver. Ça va encore être long. Donc bon, on va s'arrêter ici. Oui, c'est la première fois que je coupe un peu mieux d'une quête que j'ai. D'un mode que j'ai. Enfin de. Voilà. Donc je vais vous dire au prochain épisode. Et prochain épisode.